Il faut appuyer sur le bouton. Il faut appuyer sur le bouton. Faut tourner le bouton. Ah ouais. Mesdames, messieurs, avec Daniel Rocher, c'est comme au Galerie Lafayette, il se passe toujours quelque chose. Fermez les portes parce qu'il y a tellement de monde. Parce qu'on va vous exécuter. Enfin, pas vous, hein. Les morceaux. Alors, ça commence bien. Alors, le premier morceau que vous avez entendu s'appelle Dope's Boogie. Le Boogie Woogie est un style pianistique propre au jazz consistant à jouer le blues primitif sur un thème, un rythme rapide. Certains font remonter à 1870, le boogie-woogie serait donc le premier style de jazz antérieur, même au ragtime. C'est au début du XXe siècle, dans les années 20, qu'il se répand. J'en ai pas pour long, hein, rassurez-vous. Dormez pas, hein. Parce que je vous explique, si je fais trop long, ça embête tout le monde dans la salle. Et pendant ce temps-là, les musiciens sont contents et se reposent. Mais si je fais trop court, les musiciens ne se reposent pas. Et c'est pas bien non plus pour les morceaux, voilà. Alors le style de piano blues, le boogie woogie que vous avez entendu, si vous voulez, ça, l'origine du mot boogie woogie, c'est une référence au rythme que font les roues des trains. Tadam, 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 tadam. Vous avez compris? Donc voilà. Bon, ouais, je vous fais court, je vais vous passer directement au second. J'avais encore quelque chose à dire dessus, mais bon. Ouais. Ce que je vois arriver, donc Monsieur Gérard Piccioli, notre chanteur, qui est là. J'ai rien dit. The Good Life, oh la belle vie. Les paroles de cette chanson de la version française ont été écrites par Jean Roussel en 1963 pour une interprétation par Sacha Distel. Elle est devenue un standard de jazz lorsque le chanteur américain Tony Bennett l'enregistra sous le titre « The Good Life ». Le texte anglais vante la vie facile, la belle vie, faite de plaisir, qui semble être idéale, cette vie, mais prévient quand même que l'amour durable ne saurait être vécu ainsi. Il y en a qui parlent, là, s'il vous plaît. Vous passerez à mon bureau, vous. On pense que j'ai pas d'oreille, mais bon. Le texte, alors, bon, tu ne seras pas vraiment amoureux si tu ne prends aucun risque, sois franc envers toi-même, ne fais pas semblant avec l'amour. Alors les paroles en français traduisent le même propos, vous allez les entendre, mais de façon plus imagée et moins moralisatrice. Où est la belle vie? On s'enlace, on est triste et l'on traîne. Gérard Piccioli au chant. Thank you.
sans problème. Dans la belle vie, on est seul, on est libre et on traîne. On s'amuse à passer avec tous ses copains. Une nuit blanche qui se penche sur les petits matins. Sans souci, sans problème, et la belle vie, on s'en lasse, on est triste et on traîne. Alors pense que je t'aime, et quand tu auras compris, réveille-toi, je serai là. C'est la belle vie, super. I love me. I love me, tout de moi en anglais. Oh, tiens les lunettes, je vois moins bien. Bonjour lunettes, Daniel Musette. J'ai écrit en gros. Hein. Chanson d'amour composée en 1931, elle est devenue un standard de jazz. Pour résumer les paroles et faire court, tu ne vois pas que je ne suis rien sans toi. Ce thème devient rapidement un des plus importants succès les plus enregistrés des années 1930 et un des standards de big band jazz américain de la Seconde Guerre mondiale avec Benny Goodman en 1937 ou Benny Carter en 1942. Reprise en particulier par Louis Armstrong, Django Reinhardt, Billy Holiday, Count Basie, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald et par Gérard Piccioli et big band de l'aurore hein, aujourd'hui dans cette salle. Voilà. Allô, Fils. Ça te va bien, présenté. T'as oublié de mettre tes chiffons sur le micro. Love me.
Sans doute la plus connue. Enfin, moi, je la connaissais pour un moment. Errol Garner est un jazzman immense par le talent, mais petit par la taille. Hein. Et le pianiste, il ne mesurait en effet que 1m57, même pas beaucoup. Hein. Afin d'être bien assis face au piano, il utilise plusieurs annuaires téléphoniques placés l'un sur l'autre. Ah, bah oui, hein. Les musiciens, ça se débrouille comme ça. Hein. On compare souvent l'esprit de nombreuses ballades rêveuses, rhapsodiques et oniriques d'Errol Garner aux œuvres impressionnistes de Claude Debussy. Clint Eastwood découvre cette célèbre ballade de Garner qu'il placera en 1971 au cœur de l'intrigue de son premier film de type thriller, Play Misty for Me. Le soliste de cette ballade sera Monsieur Denis Raphael au saxophone alto. Thank you.
moi je fais l'inverse maintenant, je mets d'abord ma partition et ensuite je lis. Sinon, j'arrive pas. Estate. Ça, c'est le nom du morceau, ce qui veut dire été. C'est une chanson qui évoque la nostalgie d'un amour perdu. Elle est créée en Italie en 1960 par Bruno Martino, pianiste de jazz et compositeur pour la musique, avec des paroles de Bruno Brighetti. De nombreux interprètes en ont donné des versions vocales ou instrumentales, notamment sur un rythme de bossa nova. Cette chanson italienne est devenue un standard de jazz. Sa reprise par Joe Gilberto, qui la découvre lors d'une tournée en Italie en 1961, va en faire un succès mondial. Gilberto arrange pour ses rythmes de bossa nova la musique syncopée de la chanson, qui prend alors sa couleur envoûtante, ses caractéristiques, attirant dès lors nombre de jazzmen qui la mettent à leur répertoire. Voici un arrangement pour grand orchestre de jazz avec un joli chorus de bugle, je lui mets la pression tout de suite, hein, joué par mon ami Gilles Champion. Thank you.
Rose, qui est interprété au saxophone ténor par Jean-Pierre Raphaël, et par son frère Denis Raphaël, au sax alto. Et maintenant, on va vous jouer. Et maintenant est une chanson composée et interprétée par Gilbert Bécaud en 1961. Les paroles sont de Pierre Delanoë. En 1961, Gilbert Bécaud rencontre sur le vol Paris-Nice une actrice qui se rend chez son fiancé. Le lendemain, il rentre par le même vol, mais elle est décomposée. La fiancée. Hein. Son histoire d'amour s'est finie dans la nuit. Bécaud lui propose alors de prendre un petit déjeuner chez lui. Tu penses bien, hein? À un moment, elle s'est appuyée au piano en murmurant « Bah, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ?» Le thème de la chanson, c'est vrai tout ça, hein? Le thème de la chanson est celui d'un amour déçu, le désespoir et la révolte vont jusqu'au tragique dernier vers. Le dernier vers de la chanson « Je n'ai vraiment plus rien ». Voici cette chanson dont l'arrangement est fait par Daniel Arthez, c'est un copain musicien parisien qui écrit de temps en temps par nous. Voilà, Gérard Piccioli, au chant. Je vais brûler
Maria Schneider commence l'étude du piano à l'âge de 5 ans avec sa prof qui l'initie à la musique et à la théorie du classique, tout en faisant quand même quelques incursions, ce qui est rare à l'époque, hein, dans le répertoire du jazz. Elle s'installe à New York en 1985 après des études à l'université où elle approfondit notamment ses connaissances en matière d'écriture. Elle s'adresse alors à Bob Brookmeyer pour parfaire sa composition d'orchestre qui l'amènera à signer ses premiers arrangements pour grand orchestre de jazz. Elle devient en même temps l'assistante de Gil Evans. Elle monte The Mario Schneider Jazz Orchestra en 1993, qui pendant 5 ans se produit à New York dans un club de jazz et joue dans de nombreux festivals, notamment en Europe. Voici l'une de ses compositions, Salina, un medium swing. Thank you.
C'était Bruno Charrier au solo de trompette. Basis Traitorade est un album enregistré par Count Basie et son orchestre en studio à Hollywood en Californie en 1968. Alors, cet album a marqué la première collaboration entre Basie et son orchestrateur de longue date, Sammy Nestico, qui a composé, arrangé et dirigé toutes les chansons du disque. William Basie, dit Count Basie, né en 1904 et mort en 1984, est un pianiste, organiste et chef d'orchestre de jazz. Son orchestre s'inscrit dans la tradition de Kansas City, ville berceau du middle jazz orchestral. Il était surnommé la machine à swing. Son big band représente, avec celui de Duke Ellington, la quintessence du jazz classique, dont il a porté la bonne parole pendant 50 ans dans le monde entier. Il a abordé tous les registres du blues au succès de Broadway en passant par les grands standards, toujours avec la même ferveur. Le Count Basie Orchestra a été un tremplin pour nombre de musiciens majeurs de l'époque comme Lester Young, Bob Clayton, Harry Sweet, Edison, Dickie Wells et autres. Hein. Véritable incarnation du swing de la grande époque, la musique de Count Basie a beaucoup été utilisé au cinéma, notamment entre autres par Woody Allen. Le Count et son orchestre y ont eux-mêmes fréquemment fait des apparitions au cinéma. Hein. Voici donc Basie Traitorade.
Donc j'annonce qu'on fait deux jours d'entracte, il m'a dit. C'est un peu long, deux jours. Bon, alors, ça, on est quoi, dimanche? Ben, mardi, mercredi. On va faire un dernier morceau qui s'appelle Love. Alors, avant de le faire, avec Gérard Vixioli au chant, nous devons dédier ce concert pour notre batteur, Richard Jamard, qui faisait partie depuis, je crois, 40 ans, hein, Jean-Michel. À peu près 40 ans avec nous, quand même, hein, ça nous rajeunit pas, c'est sûr, hein, qui est décédé malheureusement d'une longue maladie. Voilà, donc on lui fait un petit signe, il doit nous écouter de là-haut. Et aussi, qui manquait pas de venir danser devant nous, qui est disparu à cause du Covid, alors essayez de vous protéger. Hein. En 15 jours de temps, il est disparu. Voilà. On le voyait danser là devant nous, ça sera terminé. Voilà. Donc je ne veux pas plomber la soirée. Voici un morceau d'amour qui s'appelle Love, qui est un standard de jazz composé en 64. Cette chanson a été enregistrée par le crooner de jazz américain Nat King Cole pour son dernier album posthume, un des plus importants succès internationaux de sa carrière. Gravement malade des poumons, et oui, Nat King Cole l'enregistre avant sa disparition deux mois plus tard, à l'âge de 45 ans, pour le dernier titre de son dernier album de sa carrière. Il est accompagné d'un orchestre symphonique et d'un orchestre big band jazz. Ce standard de jazz est repris notamment en 65 par Frank Sinatra, Sacha Distel et en 91 par Natalie Cole, la fille de Nat King Cole. Voilà, personne ne peut t'adorer autant que moi. L'amour, c'est tout ce que je peux te donner. Et blablabla, la suite, hein. On connaît. Voici Love, chanté par notre crooner, qui est venu spécialement des États-Unis et qui nous a coûté un bras. Après, c'est l'entracte de 10 minutes. Pas eu du champagne, non? Mesdames, messieurs, cette année, Daniel Rocher offre le champagne à tout le monde. Encore merci, hein. Moi, ce sera un pastis. Tout simple. Je rigole pas parce que je vais me tromper. Meant for me and you.
d'amour devenu standard de jazz. Tout est devenu standard de jazz, je ne sais pas pourquoi. Enregistré en version rhythm and blues en 1956. Elle est ensuite reprise adaptée à Hollywood en 1958 en version jazzy, sensuelle érotique, hein, par la star de jazz américaine Peggy Lee, accompagnée de ses fameux claquements de doigts. En fait, un des plus importants succès emblématiques internationaux de sa carrière et de l'histoire du jazz. Le titre est régulièrement repris par des artistes divers. Parmi les reprises les plus connues figure celle de Madonna en 92. Alors, bon, vous n'aurez pas Madonna, hein, hein, ni Peggy Lee, bon, elle est décédée. Mais bonne nouvelle, vous aurez les claquements de doigts. Bon, ça c'est nous. Et notre crooner, singe, bon voilà, il est là, un jeune homme de bonne famille. Donc on va faire avec tout ça. Alors, très bon. J'ai oublié de dire qu'il revient des États-Unis. Satin Doll, poupée de satin, est un standard de jazz composé en 1953 par Duke Ellington et son arrangeur Billy Strayhorn.
Duke Ellington, le plus connu des deux, est un pianiste, compositeur de jazz, de comédie musicale et de musique contemporaine. Chef d'orchestre de jazz américain, il est né en 1899 à Washington et mort en 1974 à New York. De très nombreux musiciens ont repris ce morceau, cet Indol. Citons entre autres Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Marcel Solal aussi, Michel Petrucciani, etc. Voici pour Big Band une version de grande élégance par sa simplicité et l'ingéniosité de sa structure musicale. Alors je vais en profiter pour vous présenter les saxophones rapidement. Hein, vous avez, parce que le pupitre va être mis en valeur, cet Indol. Voilà. Vous avez Michael Embryon au sax baryton. Sylvie Gérardin, sax alto. Denis Raphaël, sax alto. Claude Ardagne, sax ténor. Jean-Pierre Raphaël, au sax ténor. Et directeur musical de l'orchestre. Alors, je vous présente les autres après. Thank you.
Les solistes étaient donc François Caterino au piano, Hervé Houdin en basse. J'en profite pour vous présenter la rythmique. Vous avez aussi Jean-François Fournier à la guitare et Denis Grenier à la batterie. Le Jazz Band a effectué plus de 30 tournées européennes et s'est produit dans des festivals de jazz à travers le monde. Sa société, Dog Beach Music, est l'un des principaux éditeurs mondiaux de musique de jazz éducative. Voici Snowman, un arrangement de jazz de style plus moderne pour Big Band, écrit en collaboration avec son claviériste George Shutak. Voilà, Snowman. Compliqué, non.
Bésame mucho, embrasse-moi beaucoup, est une chanson de variété écrite et composée dans les années 30 par la pianiste mexicaine Consuelo Velázquez, qui s'est inspirée d'un air d'opéra d'Enrique Granados. Ce boléro est devenu la chanson espagnole la plus reprise du XXe siècle. C'est une musique pour danser la rumba. Le directeur d'une station radio, tombé amoureux de cette femme, diffuse les chansons qu'elle a composées. Bésame Mucho rencontre rapidement un vif succès auprès du public mexicain et cubain. Cette chanson évoque un ultime baiser comme si c'était ce soir la dernière fois. Voici un arrangement de Daniel Arte, notre arrangeur parisien, pour notre big band. Voilà, il est chanté par notre chanteur crooner. Qui revient encore. Vous avez de la chance, il s'est bien peigné aujourd'hui. Parce qu'il y a eu des photos sur Facebook. Je mets rien de... Non. Il y a des Espagnols dans la salle. Oui, madame. Oui. Después, ¿quién tengo miedo?
Merci beaucoup. Dans le morceau d'avant, j'ai oublié de vous présenter Johann Wagner qui nous a rejoint au premier trombone. Nous sommes ravis parce qu'il a amené son beau-frère, je crois, si je crois me rappeler. Je profite pour vous présenter le pupitre de trombone, monsieur Léo Langeli. On travaille en famille ici. Isabelle Verdal au trombone. Raoul Bessy. Et Yves Hamard. Liber Tango. On a souffert en répétition, je vous le dis. Il y a les tugu-tugu-du, hein, vous allez voir. Quand ça va trop vite, hein, on est obligé de faire les tugu-tugu-du, un coup de langue et un coup de gorge. Tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu. Je vous explique un petit peu, parce que c'est pas facile. Liber Tango est classé dans le style Tango Nuevo, qui est un mélange entre le tango populaire et la musique classique contemporaine, composée par Astor Piazzolla. Enregistré en 1974 à Milan, le titre est un mélange de mots libertad en espagnol qui veut dire liberté et tango qui veut dire tango. Tango. C'est bien, vous suivez. Liber Tango symbolise le passage de Piazzolla du tango classique au tango nuevo. Il a eu des problèmes d'ailleurs, parce que tous les classiques, les traditionnels, ils n'aimaient pas trop ce tango nuevo, alors ils ont mis des bâtons dans les roues, mais bon. Et voilà, il est considéré comme le musicien le plus important de la seconde moitié du XXe siècle pour la musique de tango. Piazzolla et le tango nuevo ont de nombreux détracteurs parmi les représentants du tango traditionnel, vous voyez. En effet, sa musique n'est plus composée uniquement pour le bal et les danseurs, mais c'est aussi une musique à écouter. Voici Liber Tango orchestré pour Big Band. Thank you.
Tugudu ont fonctionné. On l'a joué deux, trois fois plus vite que prévu. Bon, c'est le chef qui essaie de nous piéger pour voir si on y arrive. Il veut nous humilier devant tout le monde. Mais nous avons, je crois, réussi. Voilà. Alors, le prochain morceau. Alors, je profite pour vous présenter les trompettistes parce que dans ce morceau, il faut aller les faire. Hein, voilà. Jean-Michel Girardin. Bruno Chevalier, Gilles Champion, Daniel Rocher. Soulman est une chanson de type musique soul, écrite et composée par Isaac Hayes et David Portwin, 1967. Je pose des questions à la fin, je préviens. Interrogation écrite. L'inspiration de la chanson vient des émeutes de 1967 à Détroit. En regardant le journal télévisé, Isaac Hayes, traitant des événements, a appris que le mot Soul avait été écrit sur des magasins tenus par des Afro-Américains afin qu'ils soient épargnés par les émeutiers. Hayes a vu un signe d'unité et de fierté lui donnant l'idée d'écrire une chanson intitulée Soul Man. En 1978, les Blues Brothers avaient déjà repris le morceau avec succès. Voici ce thème joué par notre big band, Soulman. Sing Sing Song, la chanson de Sing Sing en anglais, est une chanson française de swing jazz de Claude Nougaro, adaptée du standard de jazz américain de 1960, Work Song de Nat Adderley. Il l'enregistre en Super 45 Tours en 1965 et sur son premier album, Bidonville, de 1966, un des plus importants succès de son répertoire et de sa carrière.
Claude Nougaro écrit ce tube sur le thème de la vie de détention dans la célèbre prison de Sing Sing, de l'État de New York, aux États-Unis. Quand le jour se lève sur Sing Sing, on ne s'inquiète pas pour le temps, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, à Sing Sing, on sortira pas pour autant. Le titre Sing Sing Song est une variante du standard de jazz swing Sing 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 de Louis Prima de 1936, repris en particulier par Benny Goodman pour son The Famous Carnegie Hall Jazz Concert de Manhattan à New York. Voici un arrangement pour Big Band de la version chantée par Nougaro. Voilà, allez, Gérard, au chant. Richard en 1961.
Le thème des paroles de la chanson fait écho à la vie d'artiste personnelle de Ray Charles et à ses conflits de couple avec sa seconde épouse de l'époque, la choriste Delore Robinson, épousée en 1955, avec qui il a eu 3 enfants. Au sujet, entre autres, de son désir de vouer sa vie à sa carrière d'artiste en tournée internationale perpétuelle sur les routes du monde entier, en étant dépendant de ses succès artistiques et financiers incertains, irréguliers, hein, et de ses addictions aux stupéfiants. « Prends la route, Jacques, et ne reviens plus jamais. » « Que dis-tu ? » ?»« Ne reviens plus jamais. » »« Tu ne peux pas vouloir dire ça, on ne me traite pas comme ça. » C'est pas à toi que je parle. Ah ouais. Je parlais avec Jean-Pierre, c'est pour ça. Ouais, c'est la femme de Richard qui cause. Hein. Petite histoire pour finir. Allez, pendant qu'il se prépare, c'est Mozart et Bach qui vont boire un coup au bar. Alors le barman dit... À Bach, qu'est-ce que vous voulez boire ? Bach, il dit, moi, je veux boire un petit whisky. Et vous, Mozart, vous prenez quoi ? Il dit, un bibi comme Bach. Vous la gardez ? Oui. J'en ai vu pire, hein. Hit the road, Jack, don't you come back home, oh no, don't you come back home. What you say, hit the road, Jack, don't you come back no more. I guess if you said so, I have a plan of him then go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. No more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say, hit the road, Jack, and don't you come back no more. No more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Bien, ben c'est le dernier, hein, tu verras qu'on va vous jouer, on va vous libérer. Hein.
Last Night, la nuit dernière ou la dernière nuit, comme vous voulez. Voilà, est une composition de musique instrumentale du groupe de rhythm and blues et de soul américain de The Marquis, sorti en 1961. En France, le morceau est connu pour avoir servi d'indicatif musical à l'émission de radio Salut les copains, diffusée sur Europe 1. Voilà, c'est donc notre dernier morceau et merci d'être venu jusqu'à nous. Et ça nous a fait très plaisir de vous voir, je crois, après 2 ans hein, d'interruption. Voilà, bon. On espère qu'on va pouvoir jouer comme ça prochainement. Voilà. Merci. Allez les danseurs de Madison.
Non mais je n'allais pas.